Ouais, nous y sommes. La rencontre dont tout le monde vous parle depuis de nombreuses semaines. Elle va se jouer à guichet fermé. La suite du programme dans un court instant sur EA Sports. C'est un Craven Cottage pluvieux qui vous accueille aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous. C'est vrai que la pluie à Londres, ça arrive de temps en temps. En commentaire, Hervé Matou, je suis prêt dans ma cabine, j'ai mes petites filles, j'ai ma petite boisson, mon petit coussin, tout va bien. Le foot anglais qui sera donc à l'honneur aujourd'hui avec cette rencontre de FA Championship, Fulham contre les Queen's Park. Là, je suis sûr qu'on va avoir de bons moments dans cette rencontre, j'ai vraiment hâte que ça commence. Va-t-il parvenir à centrer ? Et c'est pour le gardien. Alors le ballon est perdu. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Attention, attention à lui. Et le but ! Le premier but dans ce choc. L'équipe locale qui prend les devants. Explosion de joie dans les tribunes. Allez, le ralenti avec cette première intervention. Mais la défense qui ne suit pas, qui est trop statique. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. On s'approche de la zone de vérité. Le centre, un mauvais dégagement là, attention. L'arbitre qui laisse l'avantage, c'est bien vu. Ah oui, la bonne passe. Oui, attention. Et ça fait but. On voit la spontanéité de cette frappe, hein. Sans se poser de questions, paf, c'est parti, splendide. Et les voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. Non, c'est intercepté, bonne lecture du jeu du défenseur. Je crois qu'il y a du nouveau au tableau d'affichage de Bramall Lane. C'est à Sheffield que ça se passe, dites-nous. Oui, 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 il s'agit du premier but pour Sheffield United. Un but à zéro, donc. Et c'est capté, sans problème. Oui, le centre, peut-être. Pas le ballon. La bonne interception. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Se trouve bien, ça circule bien. Il s'infiltre, attention. Et le hors-jeu qui est signalé. Ouh, ça doit être vraiment limite, hein. La passe est interceptée. Allez, faut centrer vite. Ah, ils perdent cette balle. Ils progressent. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Oui, il a bien lu le jeu. Ballon intercepté. Qui va revenir à l'adversaire. Ouais, il a levé son ballon. Sans danger pour l'adversaire. Ah,
L'arbitre va peut-être sortir un carton maintenant. Il vient jouer, récupère la balle pour son équipe. Ah, c'est l'équipe locale hein, qui monopolise un petit peu le ballon. Et si la victoire se profile pour cette équipe, c'est parce qu'elle a trouvé la solution pour déstabiliser la défense adverse. On s'approche du but. Ah, il aimerait donner un bon ballon. Il a préféré dégager ce ballon. Stéphane Johansen. Il donne par-dessus. Alors, le ballon qui est dégagé. Tom Kearney. C'est plutôt une séance d'attaque-défense à laquelle on assiste. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. Stéphane Johansen. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Et dommage, ça n'ira pas plus loin sur ce coup. Tom Kearney. Très mal donné hein, ce ballon. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Attention, le tir. Et c'est pour le gardien. Le corner, le ballon en pleine surface. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. Wilson. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Ballon qui passe d'une équipe à l'autre. Chaloba. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Grosse séquence de possession de balle hein, sur cette phase de jeu. Ah, hors jeu. Hors jeu. Allez pas se précipiter comme ça. Ça c'est pas. Décidément, c'est un petit peu cadeau sur cadeau, tous ces ballons perdus. On aura droit à une petite minute de temps additionnel. Chaloba. La frappe. Le centre à destination de ses partenaires. Il a pris sa chance, mais la frappe est déviée. Et voilà, c'est la mi-temps ici. Déjà 2-0 au score. C'est reparti pour 45 minutes. Gray. Moses Adebayo. Ouais, ça a été enchaîné assez vite et trop vite. Ce ballon qui est dégagé. Allez, allez, ça doit aller au fond, ça. Alors ça, c'est gâché cette occasion. Il y avait autre chose à faire. Chaloba. Ouais, c'est joué par-dessus. Tom Kearney. Il peut le mettre. La bonne intervention. Dans quelques minutes, cette rencontre qui nous attend, que vous attendez, j'en suis sûr. On devrait vraiment assister à un spectacle de grande qualité entre ces deux équipes. Ça aboutit finalement à cette perte de balle. Chaloba. Ah, c'est une interception. Ouais, c'est un corner
Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Attention à ce corner. Le ballon qui allait passer la ligne. Et la tête est magnifique arrêt. Superbe. Superbe intervention sur cette tête. Son dernier se joue comme ça. Et je peux vous dire que le réveil risque d'être brutal. Okay. Prince. Stéphane Johansen. Oh, le bon ballon. Ouais, pas de danger là pour la défense. La trajectoire a été bien jugée dès le début. Allez, changement avec un joueur qui va rentrer. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Vous voyez sur votre écran ce futur rendez-vous très alléchant, très intéressant. Ouais, c'est un choc, on a vraiment hâte qu'il commence. Ça sera plus très long, c'est pour bientôt. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Et ce ballon qui est perdu. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Mais non, dommage, ça va s'arrêter là. Tom Kearney. Evan Cavalero. Cherche une solution là. Et il va y aller. Gray. Allez, peut-être une bonne occasion. Il est bien placé, il peut centrer. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Ouais, Willem passe directement à l'adversaire. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Ce ballon qui est récupéré. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. La contre-attaque qui se développe petit à petit. Ah oui, il peut poursuivre son action. Ah, il a coupé leur élan au tout dernier moment. Bien joué. Wilson. Kenny Tête. On va rester prudent, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais pour l'instant, l'équipe semble se diriger vers une victoire avec ses deux buts d'avance, ce qui lui donne un bon matelas. Ah non, le ballon est perdu. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Alors, je vais signaler sur cette action. C'est précipité pour donner ce ballon. On entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Moses Adebadjo. Attention, il peut centrer là. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. Allez, le but de l'espoir peut-être. Oh, c'est peut-être pas terminé. C'est peut-être pas terminé. Plus qu'un but d'avance. Oh, ça va être chaud. On voit cette séquence qui amène ce but, ce dégagement raté. Ah, c'est clair que quand on fait des cadeaux comme ça, la punition est immédiate. Un joueur frais qui fait son entrée sur la pelouse. La mission, elle est simple, hein, aider à ses partenaires à tenir le résultat. Il reste 5 minutes à jouer, toujours un seul petit but d'écart. Il
Il s'avance vers la surface. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Ouais, il peut centrer. On a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir. C'est donc un corner. Le remplaçant qui se prépare à entrer, mais à la place de qui? Il est bien tiré le corner là. Mauvais dégagement, mal fait. Il avance balle au pied. Et l'intervention décisive du gardien. L'arbitre a accordé 3 minutes de temps additionnel. Oh, le bon ballon! Et ce n'est pas cadré, cette frappe, elle passe largement à côté. Aucune frayeur. Ivan Cavalero. Et le tacle décisif dans sa propre surface. Voilà la fin de ce choc et donc la victoire pour l'équipe locale devant son public et des supporters bien sûr aux anges. Et l'équipe qui remporte donc une courte victoire. Et l'important c'est d'avoir tenu hein, jusqu'au bout. Ah oui, la bonne passe. Ouais, celui qui va prendre pas mal de lumière aujourd'hui, normalement, c'est lui, c'est normal. Il reste sur un bilan de 4 buts inscrits lors de ses 3 derniers matchs. On vous donne rendez-vous dans quelques minutes sur EA Sports. C'est un Craven Cottage pluvieux qui vous accueille aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous. C'est vrai que la pluie à Londres, ça arrive de temps en temps. C'est donc moi qui vais vous commenter ce match. Hervé Matou, fidèle au poste, foot anglais, qui sera donc à l'honneur aujourd'hui avec cette rencontre de FL Championship. Fulham face à Cardiff City. Qu'est-ce que vous allez réserver ce match? Un bon spectacle, on l'espère. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Avec du monde pour reprendre ce centre. Un mauvais dégagement là, attention. Bonne intervention, intervention parfaite, hein. Bonne anticipation. Attention, on ne peut plus l'arrêter, attention. Et le but, déjà 1-0. Voilà un match qui commence fort. On voit bien sûr les images, cette passe en profondeur qui a déstabilisé complètement la défense. Et ensuite, il décide de conclure en force. Son face à face, c'était le bon choix. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Il intercepte. Attention, ça peut être dangereux.
Oui, bon ben oubliez ce que je viens de dire. Tom Kearney. Tebano. En position idéale pour centrer. Et c'est un corner. Ah, il est bien parti ce corner. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Sean Morrison. On s'approche de la zone de vérité. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. L'ouverture. Il cherche le second poteau. Oh, mauvaise relance. Attention, ça peut faire but. Oh, que c'est bien défendu. Il y avait grand danger. Bakuna. Attendez, je crois avoir entendu qu'il y a un pénalty dans un match qui se joue en ce moment, c'est ça ? C'est exactement ça, Hervé. Un pénalty pour l'équipe qui joue à domicile et transformé sans aucun problème d'un tir décroisé à ras de terre. Un but à zéro, donc, et on joue ici depuis 19 minutes. Merci à vous. Quelle tête ? Peut-être une bonne opportunité, attention. Non, non, l'action n'ira pas plus loin. Il y a hors-jeu. Bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Tom Kearney. Ouais, le 1-2. Il se présente face au gardien. Oh, c'est repoussé par le montant. Un long ballon, loin devant. Ils attendent la bonne ouverture pour aller piquer et égaliser. Oh, très bien défendu. Wilson. Il faut trouver une option disponible. Quelle série. Plongeon magnifique. Et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Le corner qui sera dégagé. Allez, bon centre dans la surface. Ah oui, la main signalée par l'arbitre, ça va donner un bon coup franc. Avec un tel tireur, c'est sûr que ce genre de coup franc bien placé, ça peut souvent donner but, et ça a été le cas en l'occurrence. Ce coup franc, hein, frappé incroyablement, ça passe au-dessus du mur et ça replonge sous la barre, c'est imparable. Et ça fait donc 2 buts d'écart maintenant, 2-0. Tom Kearney. Jean-Michel Seri. Allez, peut-être une bonne occasion. Ah, j'ai parlé un petit peu trop vite. Sean Morrison. Oh oui, très bon geste défensif. Il fallait le faire, il y avait danger. Ah, il a bien senti le coup, c'est intercepté. Ah,
Et ce ballon qui est bien récupéré. Ah oui, la bonne passe. Ah, bien joué, bien jailli sur cette passe en profondeur. Mauvais tacle et l'arbitre qui laisse jouer. Et la voilà la frappe. Pas de problème pour le gardien. Ah, il est bien tiré le corner là. C'est un corner qui ne va rien donner. Quelle série. Ils reprennent possession du ballon. Jean-Michel Seri. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Kebano. Récupération et peut-être une action dangereuse. Voilà, les uns et les autres vont regagner les vestiaires avec déjà un avantage de 2 buts quand même. Une première période qui a tourné à l'avantage des deux. La seconde période qui reprend à l'instant. Tom Kearney. Bonne anticipation sur cette interception. Et ce ballon qui est récupéré. Jean-Michel Seri. Je vous laisse découvrir le match très intéressant programmé tout à l'heure. Je pense que vous serez avec nous également. Et bien sûr, encore une fois, c'est sur notre chaîne que ça va se passer. Oh, la parade du gardien, ça c'est beau. Kebano. Ah non, la mauvaise passe. Oh, c'est l'interception. Ah, la passe en profondeur, attention. Ah, pas de danger là pour la défense. La trajectoire a été bien jugée dès le début. Ça s'agite sur le banc de touche, plusieurs changements à venir. Sean Morrison. Bakuna. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. 2. Ouais, il y a des options dans la surface. Ouais, la lutte après un peu reprendre ce ballon. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? La bonne lecture du jeu sur cette interception. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon? Ouais, bon ben oubliez ce que je viens de dire. Un petit promo là sur le match de tout à l'heure. On attend tous avec beaucoup d'impatience. Non, vous l'aurez compris. C'est vraiment un match à ne pas manquer. L'adversaire qui s'empare de ce ballon. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Le bon ballon donné par-dessus. Reprise magnifique. Magnifique but. Une reprise parfaitement exécutée.
Allez, le ralenti du but, avec cette passe hein, par-dessus la défense qui a déstabilisé tout le monde. Et la conclusion parfaite, cette demi-volée qui n'était pas facile du tout à exécuter. Le spectacle au rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. Jean-Michel Seri, Domingos Quina. Mauvais tacle, et l'arbitre qui laisse jouer. Ouais, c'est bien arbitré, c'est dans l'esprit en tout cas. L'avantage n'ayant pas profité, on revient à la faute. Et l'entraîneur qui procède donc à un remplacement. Ouais, bien anticipé dans les buts. Ce coup franc qui n'est pas assez appuyé. On va peut-être assister à une contre-attaque. Ah, le ballon qui est finalement perdu. Adara Bioyo. Wilson. Quelle tête. Il est bien placé, il peut centrer. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Bakuna. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Oh, c'est dégagé ce ballon. Il donne un petit peu d'air à sa défense. Il fallait tacler, bien joué. 7 minutes, hein. Il reste 7 minutes dans le temps réglementaire. Oh, le gros exploit personnel, attention. Ah, ça peut amener un but. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Ah, non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Attention, il a récupéré ce ballon. Oh, génial, quel arrêt génial. Le réflexe à bout portant. Ah, il est bien parti ce corner. Mauvaise relance. Il choisit la frappe. Le gardien qui ne peut que repousser. C'est pas terminé. Oh, il est passé. Il est passé. Il y a danger. Bon, oh, attention, c'est pas fini. Terence Kongolo. Il y aura 2 minutes de temps additionnel, ce n'est pas énorme. Un petit peu d'espace devant lui. C'est dévié, ce sera une touche. L'arbitre qui siffle la fin du match à l'instant et cette équipe qui peut donc empocher les 3 points devant son public. Voilà, c'est fini, grosse prestation, hein. Les 3 points qui sont acquis d'une manière on ne peut plus logique.